Il y a, en vérité, à l'intérieur de ces banlieues, une véritable détestation pathologique de l'État, mais pas seulement de l'État, mais également de la nation française. Et ce n'est pas de la faute des immigrés. Non, mais l'État n'y est plus. Ça n'est pas de la... Non, mais attendez. Ça n'est pas de la faute des immigrés. C'est de la faute de prétendus intellectuels français qui leur ont expliqué que les Français étaient des méchants. Mais tu crois que ces petites bandes, elles le savent? Tu crois qu'elles ont ça en tête? Mais les petites bandes, ils l'ont. Les petites bandes, on leur a pas dit que les flics français, c'était des racistes systémiques. On leur a dit encore hier. Mais il y a Madame Traoré hier qui s'est répandue partout en se vantant que toute sa fratrie était passée par la case prison. Comment veux-tu que ça fasse pas crois-moi, on écoute plus. Ça... Les petites bandes de dealers qui sont autour des policiers, je pense pas qu'ils aient ça en tête. Ils défendent simplement un territoire et ce qu'ils veulent, c'est garder leur pré carré de vente de gens sans idéologie, je pense. Ça joue, mais les trafics, ils ont bon dos. Il y a les trafics, bien évidemment. Mais expliquer tout par les trafics, c'est faux.